Bonjour et bienvenue sur la chaîne DB Bois. Cette semaine, on va faire un démarrage automatique pour l'aspirateur. Allez, c'est parti. Alors, pour ce démarrage automatique, j'ai besoin de quelques éléments, multiprise, rallonge, etc. Surtout ici, d'un module. J'ai trouvé ça sur Amazon. Je vous en remercie. C'est grâce à vous qui cliquez sur mes petits liens. J'ai pu m'acheter ce petit maître esclave. Moi, je vous mettrai le lien dans la description, juste en dessous. Si vous souhaitez faire également cet achat. Alors, pour ce module, on peut brancher jusque 3300 watts. Donc ça va, pour la scie, tout ça, pour pas mal d'éléments, 3300 watts par interrupteur. Il y en a deux, hein, le maître et l'esclave. Donc ça va, c'est pas mal. On va voir ensemble comment on le branche. Et on va faire le test de démarrer la scie et l'aspirateur doit démarrer automatiquement. Parce que je vous dis pas, à chaque fois, j'arrive, je commence une vidéo, je me prépare, je découpe. Combien de fois j'oublie l'aspirateur? Allez, on y va. Alors, voici le boîtier, hein, comme vous pouvez voir ici, le boîtier électronique. Donc, bien sûr, avec sa notice, hein, avec le schéma électrique, ici, vous pouvez voir. Ici, le maître, donc la scie et l'esclave, l'aspirateur avec une alimentation général de l'ensemble. Donc là, moi ici, voici le module. Donc tout simplement, ici, l'esclave. Donc ici, on va brancher la sortie vers l'aspirateur. Ici, le maître, la scie et l'alimentation principale. Moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre ici une multiprise. Comme ça, je pourrais brancher la scie, la défonceuse ou une ponceuse. L'alimentation générale de l'ensemble avec ma rallonge. Ici. Et ensuite, ici, une prise femelle pour l'alimentation de l'aspirateur. Allez, on branche tout ça ensemble.
Bien, bon, ça y est, c'est branché. Hein, ce qu'il me reste à faire, c'est ici mettre ma gaine de protection autour juste après quand on fixera ça sous l'établi. Là, on va faire le test. Donc, l'alimentation générale, ici, je branche. Hop, voici. Donc là, je mets en route l'aspirateur. Son câble, il est là. Donc lui, c'est la prise ici. Voilà. Ici, l'alimentation de ma scie sur la multiprise et celle de la défonceuse. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Les plombs n'ont pas à sauter. Bon, allez. Ça, je vais faire un premier démarrage ici à la défonceuse. Je vais faire attention. Oh. Voilà. Là. Ici, c'est bon. Là. Ah, nickel. Nickel, nickel, ça fonctionne. Hop, sur la scie maintenant. Bien, super, ça fonctionne nickel. Donc là, on va continuer. Je vais fixer les éléments petit à petit sous l'établi. Je vais vous faire voir. Et on se retrouvera à la fin pour une conclusion. Allez, c'est reparti. Bien, bon, ça y est, ce projet est maintenant terminé. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai branché mon module. Hein, rappelez-vous, je vous mets le lien dans la description. Ça coûte 18 euros. Donc, pour moins de 20 euros, franchement, ça vaut le coup. Ça fonctionne super bien. Vous avez ici le démarrage de la scie, l'aspirateur démarre automatiquement. Pareil pour la défonceuse. Pour la connectique, moi, j'ai préféré souder, mettre de la gaine thermo. Pareil, comme vous voulez, vous pouvez mettre ça dans une boîte de dérivation, mettre l'ensemble dans une grosse boîte. Le fixer, la connectique comme vous voulez. Hein. Mais franchement, n'hésitez pas, c'est un bon produit, ça va fonctionner, je verrai dans le temps. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne DB Bois. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, enfin, vous savez tout ce qu'il vous reste à faire. Mais le plus important, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao!